pa'l centro pa' dentro perreando contigo, que bien. Yo me siento pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro pa' dentro perreando contigo, que bien. Yo me siento Panama had been my second job with Passos. Hey, Max! Max! Come on! The first had been easy. Money for banging waitresses at some fancy wedding in the Caribbean. This seemed like another easy gig. It was the middle of the day, and like any self-respecting idiot, I was half cut. Nothing like doing some good blows, some good friends on a boat. Nasty! Come here, I love this one. Marcello! Going to be the death of me! I'm sure beats New Jersey, huh, Max? Some ways. Hey, come on, it's awesome! Yeah. Everybody's drunk and tanned, listening to house music. Most of them have plastic surgery, and they're all doing blow. I guess it is kind of like Jersey, huh? That's very funny, Max. Hey, Saul! Oh, I gotta quit drinking so much. I give myself serious liver damage. Yeah, big deal. You can always get a new one. Relax. I hope you're not drinking on the job, gentlemen. Kidding, I hope you are. Just stay off the ale, hmm? I don't have enough to share. I'm kidding again! Oh, Mikey. Even though we just met, I feel like we are good friends, you know? Mm. I feel like safe with you guys. Know that, real safe. That's great. And I love New York. The East Hamptons, do you know it? Not really. I spent my honeymoon in Montauk. Oh, where's that? It's just down the road. Whatever. Last time I was there, I got so wasted, I nearly shit myself. I didn't know you were married. Yeah, well, my wife passed away. Good. Not good. Bad. Real bad. But good, because now I can get you laid. A lot. It is great to be single, hey? I love a woman. She's with another, and she doesn't want to know it. Fucker. I mean, could you believe that shit? Hey. Excuse me, I'm going to go to speak to Felipe. Felipe! You crazy crackhead! Lay off the yayo, eh? Pasos. Welcome in. Yeah. What's the deal with this guy, eh? He's kind of stuck up. He's a good guy. Yeah, sure, tabon, but have him smile a bit more, you know? His life is good! Where's the truck? It's coming. Hey, soon. Pasos. I gotta go lay down. Okay. Eh bien salut tout le monde, c'est Dark Funeral 972 et bienvenue pour le chapitre 11 de Max Payne 3. Je suis désolé les deux... Ah attendez... Les deux précédents épisodes avaient un malencontreux décalage, je pense que ça vient en fait... J'enregistrais mes vidéos en MPEG 2.
au lieu de H264. Ça me le faisait sur toutes mes vidéos, c'est pour ça que j'ai pas pu sortir de vidéo sur ma chaîne principale, mais là le problème a l'air réglé, j'ai sorti une vidéo de FIFA 12, elle n'est pas du tout décalée, donc je pense que maintenant Max Payne 3 ne sera plus décalé, ce n'était pas vraiment de ma faute, hein, puisque tout était bien au début, mais ça se décalait au fur et à mesure que ce soit le son du jeu que le son du commentaire. Enfin bref, attendez, je vais aller à la chambre d'en face. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que quelque chose de bien s'y cache. Ou pas. Merde. Bon. J'espère que mon petit let's play ou Max Payne 3 vous plaît toujours autant, hein. Je sais que à cause de mon problème de PC, je n'ai pas pu, tout simplement vous proposer de Max Payne pendant, pendant très longtemps. Là, j'aurais déjà dû commencer Pandora's Tower. Je suis en tout cas vraiment désolé de mon petit retard, hein. C'était pas vraiment de ma faute, mais bon. Tant pis, hein. Ce sont les aléas de la vie, hein. Les choses tombent en panne, c'est comme ça. Maintenant, je vais essayer d'éteindre plus souvent mon PC. Donc, attendez. Oulala, attendez. Là, je me balade de chambre en chambre pour espérer trouver... Ah! Ça. C'est qui me tire dessus. Esquive des balles. Voilà. Allez, sors de là. Hop, attendez, je jette un coup d'œil aux alentours. Je ne vois rien de beau. Je ne vois rien de beau pour le moment. Sors de ta cachette, espèce de hijo de puta. Non, ça c'est de l'espagnol. Fillo de puta. Voilà, ça c'est de portugais. Alors merde. Oh merde, putain, il m'a... Voilà, hop, ça c'est fait, c'est dégagé. Bon, en tout cas, j'espère que le let's play de Pandora... Il y en a qui m'ont demandé est-ce que je comptais un jour continuer Shadow of the Colossus. Bah écoutez, j'ai dit que juste que le let's play était en pause. J'ai jamais dit que je l'arrêtais. Et... Ce sera peut-être pareil pour Pandora's Tower, ça se trouve je vais aimer au début, parce que je n'ai pas joué encore, j'ai vu ma soeur jouer, elle a pas l'air mal, ça se trouve, parce que moi, vous savez bien que moi, il y a des jeux Wii, j'aime pas du tout, même si j'adore les RPG, mais en fait, c'est l'aspect même de la Wii que je n'aime pas, c'est-à-dire cette histoire de manette, de mouvement, etc., je n'aime pas trop ça, mais même pas du tout. Ouh, une pièce d'arme en or. J'ai bien fait de faire demi-tour. Donc voilà, donc ça se trouve, je vais commencer, ça va pas me plaire, donc on verra bien, hein, écoutez, hein. On verra bien. Certainly wasn't the first time I'd woken up with a hangover, long after a party had turned sour. Alors là, attention. The need to get out of the boat's hull and onto the upper deck as soon as possible was countered by the probability of running into another hijacker. I had to move carefully. Voilà, ça c'est du power of the Max Payne. Oh merde. Merde. The fire was sucking oxygen from the room. I didn't care if I got shot the second I got out of there. I needed one more gulp of fresh air before I died. It was like the need for a wake-up whiskey after a two-day bender. How to shut off the fuel feeds. I shut down one engine, but it didn't make much difference. Écrit, hein. Breathe again.
Now the boat could get back to smelling like suntan oil, stale margaritas and greed. Vous pouvez voir, c'était écrit, hein, ici. Emergency fuel shut off. Moi, je te défonce, moi, qu'est-ce qu'il y a? My name is Max Payne. Non, rien dans cette petite douche. Est-ce qu'il y a quelque chose par là? Rien non plus. Pas d'interrogique. So this was the famous Panama Canal. We could have gone to the Franchement, ça c'est la classe. Ça donne envie de gagner au loto. Hein. Je vous le dis, moi. Merde. J'ai tiré sans faire exprès, mais j'ai parce que vous savez, sur ma manette, hein, Onza Razer Tournament, la gâchette est très sensible. Hein. Le moindre petit effleurement et bam, ça tire. Comme une vraie arme. It was a different scene than the one I'd stumbled away from. Where was everyone? What the hell happened? Quoi d'autre? Ça se trouve, il y avait une pièce d'arme en or ici, donc j'en sais rien. The guys up ahead weren't dealing with passengers like the rest of them. Maybe I should have realized then that this was no ordinary kidnap job. Something on the boat had attracted the sharks. Putain, ils ont une salle de cinéma. Allô, avec les putains de fauteuils. Je veux ça, moi, sur un bateau. Voilà, ça c'est bueno. Voilà, ça c'est de la précision. Bon, j'ai pas eu 100% sur ce coup là, mais bon. Mais bon, mais bon. Examinez le journal. Après que j'ai sorti de New Jersey, les choses ont flared up again between the Punchinellos and the DeMarcos. Didn't look like things would die down anytime soon. I was gonna have to stay away from the only place I'd ever known. New Jersey. Oh merde, j'ai fait tomber le portrait. Attends, comment j'examine le mur là? Merde, je voulais l'examiner là, je peux plus. Bah tant pis, écoutez hein. On va essayer de continuer à chercher rien, pas d'antalgique. Ok. Putain mais ça c'est une chambre les gars, vous vous rendez compte? La chambre plus grande que la mienne. Putain mais c'est une boucherie les bateaux comme ça. Oula, j'ai entendu une méchante voix là. Ah j'avais déjà pardon examiné. 26 mai. Oh putain mais ils sont tous nés le jour de mon anniversaire. C'est quoi ce bordel là? Enfin peut-être pas la même date non plus parce que 1963 ça ferait moins un vieux coulant. Salut tout le monde, c'est d'un funéral. Miguel, qu'est-ce que tu volais, connard? Hein? Qu'est-ce que t'as vu? Un joli placard? Non. Un autre joli placard? Non. Oh cet enculé il m'a fait flipper! Oh la vache! Bon je pense que vous l'avez entendu mais il m'a grave surpris ce connard. Une boîte à bijoux, bon ça j'avais déjà examiné. Mais il m'a fait grave flipper! Oh la vache! I never forget. Oh là là! Oh là là, toi tu montes pas! Reviens demain. Oh merde.
Putain, j'avais arrêté de viser là. Oh là, dans les coucouilles! Ou pas. En tout cas, il s'est pris 3 chambées de balles là. Ça c'est chaud, faut que je recharge souvent avec cette arme là. Soit je recharge jusqu'au bout, soit je... Voilà quoi, c'est compris quoi. Derrière le bar se cachent souvent des trucs. Enfin derrière les bars. Non, ça m'énerve, j'ai l'impression que j'ai raté une pièce d'arme en or là alors que j'essaie de fouiller un minimum partout sans pour autant traîner. D'accord. J'ai l'impression que j'ai raté quelque chose dehors. Ouais. Cocktail. En tout cas, moi je vais faire tout mon petit match avec ce petit gun là. Il me plaît bien pour le moment. Oh putain. Ouh, je vois trouble. Hop, on se concentre, on esquive les balles. Mais c'est une boucherie, comment je suis censé les tuer ces connards? Ah mais il y en a même en haut. Ça là c'est plus d'erreur là, mais plus d'erreur. Non, il m'a mis une balle dans la tête. Je suis mort, putain. J'ai pas le droit à l'erreur, mais vraiment pas. Concentration. Bon, là j'ai plus ou moins assuré. Le bateau était bien équipé. Oh merde. Hop là c'est parti. C'est chaud. Putain, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, mesdames et messieurs. Tiens, toi tu die. Ouh, se cache, on évite les balles. Tiens, toi tu vas morfler, espèce d'enculé. Voilà, là tu die là, mon ami. Oh merde. Putain, lui, j'ai arraché, mais grave. Faut que je cherche des antalgiques là, je suis dans la mouise la plus absolue. Il y en a là? Putain, dites-moi qu'il y en a au moins un. Ah non, il y en a pas. Ok.
Maybe there was something on the bridge. I checked every other. Au moins un. Je demande pas la muerte. T'as pas une carte là, un truc à examiner? Oh, il y en a deux là. I spotted Passos and Marcelo. If I'd known back then that they'd been up to no good while I was fighting my way through a band of violent paramilitaries and a worse hangover, I might not have wanted to get over to them so bad. Hey, Passos! At the time, I hadn't thought too much about this. I hadn't thought too much about anything. Now I remember it, it didn't seem quite so kosher. What about, what's her name? Daphne. Do whatever you think is best. I think it's best we try to go find her. Yeah, okay, let's go. Là. See, I didn't think Passos was a bad guy. He didn't need to try to save this woman or the crew. Through here. I didn't realize you knew your way around here. They were using that building to get across the canal. Come on! We're gonna get her, let's get her! Oh putain, c'est parti. C'est vrai, qu'est-ce qu'ils foutaient là, là? Genre, ils s'en bat les couilles des pirates et tout. Enfin, c'est pas qu'ils s'en bat les couilles, mais genre... Il a rien entendu, pas un coup de feu. Enfin bref. Bon, après, je dis ça, je dis rien. Cross up top. Oh, ce viseur laid, tout moche. Mais bon, au moins on peut bien viser avec ça. Enfin, on peut bien, je pense. Hop, parti, passe-passe pro. Expected to find on a boat full of drunks and bullshit artists, I'd been the cabaret act, shooting whatever came in front of me. Was easier than coming to terms with that reality. C'est parti. Oh merde. Hop, headshot, biatch. Putain, mais ça se trouve, j'ai raté plein d'objets, de trucs d'armes en or là. Putain, ça brille là, j'ai l'impression que c'est un truc d'armes en or. Putain! Suélteme, gringo loco! Il s'accroche, hein. En même temps, il est attaché, donc je dis il s'accroche, mais il est attaché. Oh putain, merde! Oh bordel de cuse! Oh putain! C'est quoi ce bordel? Grimpe, non? Bon ben, meurs, allez hop. Oh, c'est pas vrai! Hop, on réessaye.
Putain, mais c'est un magnum. Pour dire un putain de deagle. Bah, c'est un putain de deagle. Pas vrai ça. Attendez, on va chercher un petit peu dans l'extérieur. Rien. Il est violent, le digue. Il est très violent. Mmh. Putain, mais il va être super long ce niveau. It was nice to see a friendly face in Panama. There was probably a control console behind the desk. Derrière le bureau, donc derrière ça. It was nice to see a friendly face in Panama. Ah bah j'ai ramassé d'autres fantalogiques. Si j'en ai autant, ça veut dire que j'en aurais vraiment, 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 vraiment besoin. Quand je l'ai vu tendre le poing là, je me suis dit il va y avoir un ennemi. Si on... Ça, puis un antalgique, ça régène pas toute la vie. Pièce d'arme en or, ou pas. Ok! Le type il a paniqué quand il m'a vu, il s'est suicide. Pièce d'arme en or. Tiens, on va tester la destruction de décors dans ce jeu. Nul. Nul. Nul de chez nul. Enfin, la destruction de décors. L'interaction, voilà quoi. Vous m'avez compris. T'as cru que je t'avais pas vu? Oh merde, mais je suis con là, je suis en train de me mettre. Ok, bon, il y a des ordis moisis. Regardez comment il panique, regardez. Oh, c'était naze. Enfin, en même temps. Je suis Max Payne. All I thought about was getting the Daphne Bernstein before it was too late. Pas de pièce d'arme en or. Toujours pas. Putain. Jesus Christ. Fuck, man. This is brutal. I didn't think things would be like this. I should have jumped in that goddamn canal myself and swum my way back to New York. Bon bah les gens, j'espère que ce chapitre 11 vous aura plu, je vous dis à la prochaine, stay on joy, n'hésitez pas à follow sur Twitter, laissez un petit commentaire, un petit j'aime, et à la prochaine, bye bye.